C'est un programme que j'aime. C'est un programme très compliqué, très dense, mais c'est une première pour moi en fait, de ne pas me sentir bien. Enfin, je sais que je ne vais pas être bon sur un programme, je sais, mais au final, je me libère quand même dessus, et ça, j'ai jamais fait ça dans le passé. Donc, c'est plutôt encourageant pour la Coupe de Chine. Non, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça permet de voir où j'en suis dans la préparation. Ça me permet de me débrider. Et je suis pas surpris par ma performance d'aujourd'hui, parce que je n'ai pas cumulé énormément de confiance sur ce programme-là. Ça fait une semaine que je me sens vraiment bien. Et c'est trop court, c'était trop court pour les Masters. Après, voilà, c'est un entraînement. Et c'est pour ça que les Masters sont très importants. Mais non, je suis. Il y a des bons points parce que même en étant réticent, je me suis quand même. J'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le patiner. Et d'habitude, je suis toujours sur la retenue, alors que là, j'ai essayé quand même de me libérer un peu. Les composantes sont bonnes. Donc voilà, il y a un gros point à corriger, c'est mon surpoids. Donc voilà, il n'y a que ça. Surpoids, ça va me faciliter les choses pour les sauts, pour la condition physique. Donc c'est pas méchant ça. Bah, j'ai hâte d'être en compétition internationale, d'avoir l'opinion des juges internationaux. J'ai hâte d'être à lundi là, pour me remettre au travail. Voilà, c'est vraiment cette compétition, s'il fallait que je la fasse, et je suis content de l'avoir fait. Oui, ça fait du bien y retrouver.